digon diwe ala be kose repo uno fatigue tuba ushil ape Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment, côté WAP, côté Radio de Boutrèche Vite TV, son plaisir pour nous ensemble. Depuis l'heure arrivée, à partir de 6h, nous gagnons notre bien-aimé frère Ricardo Estimé, qui dans l'air, pas oublier émission par là, ses questions et réponses sur la Bible. Toute question que tu as aimé poser, et toute réponse que tu as aimé connaître, c'est un ami, frère Ricardo Estimé, qui a bien pour le dire, pas oublier. Branchez l'émission sur Facebook, sur YouTube, et tous les amis qui relayent le ministère ça sous des stations de radio, que le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre, capable de bénir. Qui t'a introduit, frère nous, frère Ricardo. Frère Ricardo, bonsoir, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, frère David, et que le Seigneur vous garde. Et me saluer et toutes les frères et sœurs, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, qui sont émission, question.
question réponse sur la Bible et sous chaîne YouTube radio télévision Hébreux 13:8 TV. Moi saluer nous que nom Seigneur Jésus soit glorifié à jamais. Amen. Et on a commencé d'emblée, comme nous connaissons l'émission questions-réponses sur la Bible. C'est des questions que nous recevons de partout. Il y a plusieurs frères et sœurs, il y a plusieurs autres monde tout. Et qui toujours a posé des questions. Et parmi toutes questions, ça, nous avons toujours choisi quelques là-dedans. Pour nous capables de porter éléments de réponse directement sous l'émission et questions-réponses sur la Bible. Qui fait sur Hébreux 13:8 TV chaque dimanche à côté de 6h pour 7h. Donc c'est une émission. Ensemble, on va regarder qui ça la parole de Dieu, qui ça qui écrit, on dit. Sans interprétation aucune, nous poser des questions et questions ça nous parle, ouais. Qui ça, Seigneur Jésus, notre roi, le Tout-Puissant, lui dit. Parce que la Bible est très claire que Jésus-Christ, nous gagnons toute bagaille dans lui. Nous avons tout pleinement en lui. Et il y a une question que nous devons recevoir, et pendant ce maintenant, parmi les questions, c'est une question sur le sabbat. Sous le jour samedi, hein, parce que nous avons deux, trois frères et sœurs qui sont en groupe, et qui rentraient dans la foi, qui attendaient la vérité, mais qui. Non situation côté que y a attendé tellement attendé y a tap cherché à gauche à droite qu'on y a moi à voyer chaque samedi à voyer bon sabbat chaque samedi vendredi soir pour rentrer samedi ou bien samedi y a voyer bon sabbat mais par contre pendant quelques semaines m'a regardé moi y a pas jamais voyer le lundi y a pas voyer bon sabbat le mardi y a pas voyer bon sabbat. Le c'est mercredi, on va voir bon sabbat. Le c'est jeudi, on va voir bon sabbat. Le c'est vendredi, on va voir bon sabbat. Le c'est samedi, hein, on va voir ou bien vendredi soir pour rentrer samedi, on va voir bon sabbat ou bien jour samedi à même. Le c'est dimanche, on va voir bon sabbat. Donc automatiquement ça laisse comprendre que yo croit dans un jour spécifique que Seigneur l'embaye. Qui c'est le jour du repos, qui c'est le samedi, qui c'est vendredi soir à partir de 6h, pour samedi soir à partir de 6h. Donc c'est comme ça que vous-même, vous choisissez pour vous faire. Mais il était fait, le soleil a couché, c'est le ça, il commence à compter, et le soleil là, avant le soleil a levé, le bras levé, c'est le ça, et ça m'a licencié, et c'est vendredi soir. Le soleil prend coucher, le soleil a couché, et le soleil a couché samedi soir, et c'est comme ça que l'Éternel te connaît le peuple Israël là. Est-ce que l'Éternel des armées pas connaît pas le peuple Israël là, ça mal? Oui, peuple Israël là, l'Éternel te parlé avec Moïse, l'Éternel Moïse instruction là, pour Moïse t'es capable de transférer le peuple ça. Parmi instructions que l'Éternel ordonnance que le peuple Israël là, l'œil te retire dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit yo, le septième jour là, yo doit observer. Parce que le peuple ça était dans le pays d'Égypte, yo était en esclavage dans le pays d'Égypte, et l'Éternel était avec mes puissantes li, il était sorti le peuple ça en bas, joug pharaon. Mais l'Éternel, si nous mettons le peuple là-dedans, qu'on y a dit, mais qui instruction que nous prenons? Parmi instruction, ça y est, ordonnance, ça y est, l'Éternel te dit, on a songé jour repos, hein, qui c'est le septième jour. On a songé ce jour, ça, pour nous qu'à sanctifier, jour, ça. On a songé ce jour, hein, pour nous qu'à sanctifier, jour, ça. Donc, le peuple Israël joue ça à son jour spécifique que le peuple Israël a doit sanctifier pendant le jour ça. Il doit sanctifier le jour. Donc, le septième jour, c'est un jour de sanctification que le peuple Israël a doit faire, il doit obéir avec lui. Mais, à nous garder pour nous, ensemble, moi-même avec un Kounia là, et pas oublier, frères et sœurs, dans Deutéronome chapitre 5, avant que nous continuions ça, dans Deutéronome chapitre 5,
bon Dieu, Moïse t'a parlé, l'Éternel t'a utilisé bouche par la voix de Moïse. L'Éternel t'a dit, joue ça, moi baye peuple Israël là, comme étant un signe. Et puis il dit, moi ben nous joue ça comme étant un signe, pour qui raison? Si petit nous, posez-nous question, pour qui raison nous t'étendez bien? Si petit nous, yo posez-nous question, mais pour qui raison que joue ça n'a fait type de sacrifice ça yo? Pour qui raison nous choisir septième jour ça? L'Éternel te répond, Moïse dit, mais qui ça nous veut répondre? Et quel que soit le monde qui n'a pas de réponse ça, qu'on est jour ça pas pour vous. Jour samedi, le septième jour, physique là. Là, nous dans le physique totalement là. Avant que nous rentrions dans Christ. On nous était dans le physique, dans la chair totalement, avant que nous rentrions dans l'esprit. L'Éternel dit la petite, vous demandez, on dit ça vous dit? Ou dit l'Éternel avec mes forts et bras étendus. L'Éternel fait nous sortir d'Égypte parce que nous étions en esclavage en Égypte. C'est peut-être ça l'imander nous pour nous capables de prendre juste ça pour nous sanctifier. Moi-même, frère Gordo, si quelqu'un, si petit, moi t'as posé une question. L'Éternel me prend septième jour là. Bon, entre parenthèses, nous avons choisi samedi. Chaque vendredi soir, m'expliquer que entre jours ça n'est pas de travail, mais ça doit faire le sanctifier joie. S'il t'a posé une question, dis papa, pour quelle raison que vous faites ça? Je garantis que en pile dans nous abdil, l'Éternel dit un bagage, c'est ce qu'on doit faire. Moi, nous pas jamais la réponse l'Éternel dit bah là. Est-ce que n'ap capable d'il? C'est parce que l'Éternel t'est sorti nous dans pays d'Égypte. Grand-grand-parents nous t'est sorti en Égypte. Donc l'Éternel t'est retiré en esclavage dans mes pharaons. Ou même d'haïtien, il m'a parlé. C'est peut-être ça que l'Éternel demande pour me faire ça. Pour, et ça que nous devons continuer à faire. Si y a un Européen, y a un monde qui sorti en Europe, l'a fait même, l'a été même jour samedi ça. Petit qui t'a posé la question, papa. Pour qui raison que vous faites jour samedi ça, m'a pas faire la donne? Faut européen ça, t'a dit petit, li a même ça, l'Éternel te dit, nous devons dire. C'est peut-être ça, et peut-être nous te gagné, race, nous te sorti en Égypte. Dans l'Égypte physique, oui. C'est pas, dans l'Égypte physique, oui. L'Éternel t'est sorti, t'est retiré nous. Parce que grand parent nous t'est sorti en Égypte. L'Éternel t'est retiré nous. Et ça fait de génération en génération nous observer. Jour samedi physique ça. Si nous ne pouvons pas répondre petit nous question ça, comme ça. Là, nous dans le mensonge, nous pas dans la vérité. Si nous pas qu'à répondre ni question comme ça, Jean l'Éternel dit nous ne pas répondre. Nous dans le mensonge, nous pas dans la vérité. Et si nous pas répondre ni comme ça, si moun sa pral chercher pour nous, est-ce que réellement tu as grand parent qui était à l'en Égypte? Si moun sa pi devant ta trois pas, y a un descendant qui physique qui était sorti en Égypte, si moun la dit papa ou son menteur. Et lors son menteur, Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable. Donc, il est clair que, oui, l'Éternel te baille Moïse, ordonnance-li, parmi on a dans yo, c'était observer le sabbat, le septième jour. Nous allons regarder pour nous qui ça, apôtre Paul dit, dans Colossiens chapitre 2, Napolil, depuis le commencement du verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée.
et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Donc la Bible commençait pour le dire nous depuis le Colossiens que c'est un mystère que lié. Mystère dans lequel sont cachés tout, et pas une partie, tout, les trésors de la sagesse et de la science. Dans le mystère de Christ. Donc vous devez connaître, il doit révéler avec vous son mystère que lié. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. La continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu totalement en lui, en ce corps. Voilà. Vous avez tout pleinement en lui. Après, Paul va continuer. Donc, en Christ, nous avons tout pleinement. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une incirconcision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Nous connaissons que l'Éternel qui baille Moïse, on le doit tout la loi de la circoncision. Mais il dit en Christ, circoncision, ça n'a pas fait la main encore. Mais sous Moïse, il y a des circoncis, monsieur, yo, physiquement. Prends petit couteau, prends petit gilet, prends ceci, circoncis monsieur yo. Mais la Bible dit nous, puisque tout bagay yo en Christ, même la circoncision li consistait non pas dans prendre couteau pour couper et partie garçon, hein, ça yo de couper, hein, selon Jean l'Éternel te baili. Mais par contre, les constituer, ça représente, les représente dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, mes saletés représentées, là, nous devons être fait là, il y a une vraie représentation, les pas physique. L'idée qu'on fait physique sous Moïse, mais l'Éternel a une vraie représentation de lui, qui constitue un dépouillement du corps de la chair. Pour qui raison par le physique? Parce que ou en Christ, n'a continué. Ayant été, verset 12, ayant été enseveli du corps de la chair, ayant été enseveli, ayant été enseveli avec lui, avec Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Tout est en lui. Tenez bien, frères et sœurs, d'après, tout est en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La Bible continue. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. L'homme la vie, ou en Christ, ou tout est circoncis, ou tout vient circoncis. Ou pas un incirconcis encore, ou tout circoncis. La Bible dit, il nous a rendu à la vie en nous faisant grâce par toutes nos offenses. On a continué. Il a effacé l'acte des dont les ordonnances nous condamnaient. Ah bon, c'est un acte, ordonnance qui était dans l'acte, ça a été condamné nous. Et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. La Bible va l'expliquer. Oh, tout ordonnance ça qui est dans l'acte, ça a été. La Bible parle de quelqu'un là-dedans. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement.
comme un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Pour cette raison, verset 16, que personne ne vous juge. Amen. Pour cette raison, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou au sujet des sabbats. Hein? C'est pour cette raison Christ a effacé l'acte des ordres dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit le fait que Christ fait travail ça, que personne ne doit pas juger au sujet de manger et de boire, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Parce que Christ fait travail ça, il efface ses actes, ses ordonnances qui étaient dans les actes, dans l'acte. Il efface ses ordonnances qui étaient dans l'acte ça. C'est ça que fait. Ou pas circoncis en chair physique encore, mais circoncision, c'est dépouillement du corps de la terre qui est en Christ. Donc tout est en Christ. N'a continué. La Bible dit pour raison ça, pas de personne monde qui doit juger vous. Au sujet de la fête de nouvelle lune, au sujet des sabbats. Pour qui raison monde pas doit juger vous pour vous? Pendant que c'est l'Éternel même qui te bail Moïse. Si vous n'y avez pas fait, c'est normal, vous devez juger pour lui. Mais la Bible dit, bon bagay qui te passé, après ça fin passé, vous n'avez pas de juger pour lui. C'est moi l'Éternel des armées qui te bail. C'est moi Yahweh le Tout-Puissant qui te bail. C'est moi pour qui raison te bail. Qui objectif final là? La Bible continue pour le dire. Mais pour qui raison? Lors en Christ, ou dans la vérité, ou dans la réalité, parce que la Bible dit, ces choses-là, on continue l'île, c'était l'ombre des choses à venir. Nouvelle lune, l'Éternel de Bali, c'est vrai. Les sabbats, l'Éternel te bali, c'est vrai. Sujet manger, boire, l'Éternel te bali, c'est vrai. Mais l'Éternel te bali comme étant de l'ombre, parce que une réalité qui nous est venue, il te bali l'ombre. Parce que toute la Bible dit nous que c'était l'ombre des choses à venir. Mais où est la réalité? Où est le corps de cette ombre? Où est le corps, la réalité de cette ombre? La Bible dit nous, mais le corps est en Christ. Amen. Que personne ne vous juge au sujet de bagaille qui c'est l'ombre que vous pas qu'à juger pour lui. Parce que l'on dans l'ombre, ou pas dans la réalité, ou pas dans les détails, ou pas dans la vérité. Nous allons regarder pour nous, l'or dans l'ombre qui s'acquivait, nous allons aller dans 2 Corinthiens, nous allons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Pour nous capables d'avancer. Alors, bien le 1 Corinthiens chapitre 3, bon, regardez. Réalité, donc ou pas dans la vérité.
parce que on est dans l'ombre. Pourquoi nous parler dans 2 Corinthiens chapitre 3, c'est 2 Corinthiens 3. C'est 2 Corinthiens. Nous sommes exactement dans une bonne partie. Hein? Nous parler dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et nous parler dans depuis on a commencé dans verset et on a commencé depuis dans verset. On a commencé depuis dans verset 5. Ce n'est pas à dire que nous nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, à venir vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. Qui ont ministre, ou capable ministre une nouvelle alliance, ou capable ministre une alliance. Est-ce qu'on ministre alliance de l'esprit ou bien on ministre alliance de la lettre? Lorsqu'on ministre l'alliance de la lettre, mais qui est en situation, oui. Car, la Bible continue de dire, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et sous ce rapport, en parlant de la lettre et l'esprit, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Marie et que nous avons cherché l'ombre dans l'ombre, hein? Puisque la Bible dit nous, les sabbats, c'était l'ombre ajouté, qui s'est passé l'ombre dans l'ombre, selon la Bible. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin, amen, de ce qui était passager. Amen. Alléluia. La fin de ce qui était passager. Donc, nous, et Moïse, c'est ministre de l'alliance de la lettre. Mais Christ, c'est ministre de l'alliance de l'esprit. Mais la Bible dit nous que l'alliance de la lettre, c'est un bagage qui est passager, que lié, elle finit déjà. Amen. C'est un bagage qui est passager, que lié, elle finit déjà. Parce que, ou pas qu'on est clair là-dedans, il était voilé. Voilà. Moïse mettait un voile sur son visage. Ou pas qu'on est clair là-dedans, c'était l'ombrage. C'est le sabbat de là-dedans. Il dit, mais, la Bible continue pour le dire. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, pendant que Paul a parlé, jusqu'à présent, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance. De pouvoir entrer dans l'alliance de la lettre, ou appeler la lettre, ou marcher selon la lettre, ou un voile sujet, ou pas avec clair. La Bible continue de dire. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance. Et ils ne se lèvent pas. Mais ça fait bouger, mon bouger, où était l'ombre. Ça va. Le voile ne se lève pas. Mais la Bible continue pour le dire. Mais c'est en Christ qu'il disparaît. Et la Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Et Christ, c'est l'Esprit. La Bible dit nous, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Tout autant, nous n'avons pas voulu rentrer dans le ministère de l'Esprit. Moun sa yo, yo kre yo pa ka jam, dwe jam, yo pa jam geri. Kre yo toujou lou. La Bible continue pour le dire. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voile sa li ôté, c'est lui qui permet de rentrer dans le ministère de l'Esprit. Parce que la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est le sang où vient la vie.
Amen. On va continuer. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur n'est pas la lettre. Le Seigneur n'est pas la chair. Le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ça que fait la Bible, dit-nous. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. Oui, il était la vraie. Oui, l'Éternel te baillou. Oui, il a été parlé à Moïse et du peuple Israël qui était sorti en Égypte. Si j'y cla, t'es loué féli. Mais, le nous rentrer, le mais Yahweh dit, puisque moi-même, toute saleté du peuple Israël qui était sorti en Égypte physique là, moi pas qu'à répéter ça, ou ma petite, moi, parce que le petit, moi, m'a dit, pour qui ça m'a fait, mais qui ça m'a dit. Et pertinemment, en pile, non, nous pas jamais gain génération, nous, physique, nous, descendant, nous, grand-grand-parents, nous, qui était sorti en Égypte physique, qui était dans l'esclavage. C'est ton goût, c'est ton peuple en particulier que l'Éternel te baille. Te prend comme étant un échantillon. Donc, le petit m'baka dit petit moins. C'est peut-être raison ça m'a. Jou samedi, ou m'a dit, jou samedi, m'a fait manger, dormi. Jou samedi, ou m'a dit, si jou samedi, m'a le travail, même le mien, job, m'a fait job, jou samedi, m'a pas bon manger parce que m'a travail assez, travail, m'a pas travail parce que c'est, il travaille, m'a dit, faut m'a travail samedi, même besoin obéir à Dieu, c'est peut-être ça. Les petits doudous, pour qui raison ou obligé faire ça, c'est pour capable, même réponse l'Éternel, t'es dit, vous baille dans le théorème, non, parce que grand papa, qui c'est grand papa, ou, il était sorti non Égypte physique, il était esclave, l'Éternel mettait le dehors. C'est ça que fait depuis grand parent nous, il a fait nous-mêmes, nous devons faire physiquement même là. Si ou pas, si petit toi vérifier le ouais, en fait, il n'y a pas de chambre dans la zone ça, la petit papa ou son menteur, et la bien raison, parce que c'est menti au Bali, parce que pas comprendre son affaire. Et la Bible dit, son menteur, vous avez pour père le diable. Le diable. N'a pas avancé. Donc, la Bible dit nous, Moïse te gonfle voile. Moïse te gonfle voile dans les yeux. Moïse te met ton voile sous visage. Dit. Donc, le wap gade la loi et les ordonnances Chanel, wap gade Moïse. C'est ça que nous, des fois, au lieu de parler de la loi et les ordonnances, nous parlons de Moïse. Ou là, nous dit à chaque fois qu'on lit Moïse, donc on remplace Moïse, symbole de la loi et ses ordonnances que l'Éternel te baille. Là, nous dit Moïse, veut ton voile dans le visage lui. Donc, c'est loi avec ordonnance inclus les sabbats qui dévoilent, qui besoin dévoiler. Et c'est Christ, voile, et en Christ, voile ça disparaître. Amen. Donc, là, on dit, c'est Moïse met ton voile sous visage lui. Ça veut dire que c'est pas visage Moïse qui a un voile physique sous lui. C'est Moïse, c'est en tant que symbole de la loi et des ordonnances de Dieu. Donc, ça, bon Dieu, t'es qu'on dit Moïse, yo. Ça, Moïse, t'es écrit, yo. Même le peuple, là, t'as fait le physique. Son bagage qui c'était l'ombre. Là, on dit ombre. Ça veut dire pas qu'à ouais, clair la donne parce que le voilé. Amen. Donc, y'a un monde qui était juste samedi. Ou non, ça va physique. Ou a fait toute qualité bagage, ça, yo, ou mêlé. Et bagage, ça, yo, t'es fait monde esclave. C'est ça que fait la Bible, d'où Jésus-Christ à la croix. Si ça le fait, l'axa que Moïse te gagne maintenant, qui te gagne ordonnation, il est détruit à la croix. C'est ça que fait, dit plus que me fait ça, inclut les sabbats, des autres lignes pour nous, il dit plus que fait ça, que personne ne peut pas juger au sujet du manger, du boire, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Oui, il te baille ouvré, mais il te voilé. Donc, c'est moi qu'on est qui sa réalité, hein. M'te baillot de manière voilée. C'est ça que Moïse, peuple, a pas de cal. Et ça que t'es voilé, hein. C'était la fin de ce qui était passager. Donc, ça que t'es voilé, hein. Peuple Israël, là,
son bagage qui était passé lié et la Bible dit il finit. Amen. Donc qui c'est la loi et les ordonnances de Moïse. Aïe aïe aïe. En nous gardons bagage dans Luc. Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, la Bible dit nous, verset 15, avant, Jésus leur dit, en verset 14, les pharisiens qui étaient avant écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui, ils se moquaient de mettre la vie. Jésus leur dit, lors de l'ignorance, oui, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître là. Juste devant les hommes. Jésus-Christ dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Nation devant Dieu a continué. Frères et sœurs, grands sœurs qui déposent mon question, est-ce que yon moun a observé jour samedi comme étant sabbat physique, est-ce que yon t'a trouvé pour ça? Moi dis selon la Bible, moun sa en abomination devant Dieu. Donc si moun sa mouri pendant la dan, même jour samedi ça, moun sa pat nan salu ya l'pat, an nan salu ya, et la fè route qui te fait depuis avant la fondation du monde. La continue. La Bible dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et puis Jésus-Christ continue vous le dit. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ni la loi de Moïse, là, ni prophète qui ont été parlé, bagay sa ote là, oui, mais pour yon temps, qui temps yon gen pour yon fini? C'est jusqu'à Jean. Est-ce que après Jean, nous ka continuer dans la loi et les prophètes? Jésus-Christ va continuer pour dire nous après Jean, qui ça nous refait? Il dit depuis là, ça veut dire depuis le Jean, c'est le royaume de Dieu qui est annoncé. C'est pas la loi et les prophètes qui annonçaient, mais c'est le royaume. Parce que la loi, Moïse, en tant que prophète, qui devait recevoir la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Et tout prophète qui t'a parlé, c'était l'ombre. C'est pas bagarre côté carré clair la donne. Parce que bon Dieu dit, dans 11 et 12, bon Dieu parlait à prophète en parabole. Donc il parlait de manière voilée. Amen. Donc si nous voulons le cœur, c'est en Christ. Si nous voulons genoux calés, c'est en Christ. Si nous voulons genoux calés, c'est en Christ. Pour que ça apporte, Paul dit que personne ne va nous juger au sujet du manger ou du boire, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc les sabbats, c'est le voilé, les voilés. C'est ça clair? L'on pas connaît, l'on ignorant, l'on rebelle, l'on pas voulu obéir à ça qui est écrit, l'on préfère obéir avec pasteur, l'on préfère obéir avec prédicateur, l'on préfère obéir avec assemblée, groupement, organisation, homme, organisation humaine, nous ensemble, nous fort, ensemble, nous c'est la race. Et puis c'est conforme, obéir. Kafoukou la va, qu'on nous pas le salut, ou pas de chambre le salut, et pas de chambre le salut. Si vous mourrez, si vous mourrez dans le sabbat, chaque samedi. Oh oui, Seigneur Jésus, bon Dieu, son Dieu qui a pris l'amour, lui a sacrifice moins fait, lui aime toujours, lui aime mes volontés, peut-être que je garde l'ignorance. S'il va vous la vérité à vous, qu'on la vérité à battre à vous. Amen.
Oui, je pense que bon Dieu m'a pris petit lit pour la laguer dans l'enfer, pour la bouler dans l'enfer. Qui est-ce que vous avez dit que vous dans l'enfer dans l'éternité que parler dans moi, jouer en moi, en moi, en moi, en moi, mes amis qui s'en fait, on me dit que vous avez fait mes amis samedi, mais toujours pour qui s'en fait. C'est comme ça nous comprenons ni? Non, mon ça c'est la voie éternelle. Bon Dieu m'a jamais promettre la vie éternelle à mon qui va bouler. A petit lit seulement pour mettre la vie éternelle. L'autre monde va pas il va pas la vie éternelle. Que c'est une vie de souffrance. De on monde a crié oh moi, oh Seigneur, non en fait, son vie lié quand même parce que le conscient le pour conscient en vie. Donc bon Dieu va pas promettre vie éternelle, c'est la mort éternelle qui c'est la destruction totale. Donc elle dit que sous pas là pour vérité à pas qu'à venir joindre nous. Ou ou mourir dans le mensonge, ou rentrer dans la destruction totale. Nous détruisons, fini, donne. Ou fini. La loi et les prophètes, Luc 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il y a un pasteur africain qui a vendu un livre, et puis, le lavon livio, c'est toujours tout pas grand pile. Et puis, le dit, mounio, aïe, forcé, c'est pour faire violence ou pas violent, pas qu'à entrer dans aïe, pour mounio qu'à acheter livre. Nous prenons toute qualité de bagaille. Bon. Ça, c'est en parenthèse, nous est passé. Donc, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, si on moun, ou choisi, yon jour physique, pour adorer, pour dire ce jour, ça c'est jour adoration. Donc, on a tout ça qui n'est pas bon. Nous allons chercher un passage là qui est très très important. Un passage qui est très important, nous parlons, qui ça la Bible dit. Ça la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, mais nous prêtons attention pour nous lire avec lecture ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, parce que nous avons parlé de sabbat, qui se joue physique là comme étant l'ombrage. Donc l'eau dans l'ombre, ou pas qu'à éclair, et la Bible dit Moïse, ça fait dans l'ombre, parce que Moïse a un voile sous visage lui. Et là, la Bible dit Moïse, la Bible a parlé de la loi et les ordonnances. Parce que la Bible dit à chaque fois qu'on lit Moïse, donc ce n'est pas Moïse qu'on lit, Moïse humain, mais c'est la loi et les ordonnances qui fait allusion à Moïse. Donc là, il dit, Moïse met ton voile sous visage pour que le peuple Israël là pas fixe le regard sous fin de ça que t'es passager. Parce que si vous fixez le regard sous lui, vous avez échoué ou pas réussi parce que son bagage qui est passager et il est pour le fini. Donc vous n'avez pas fixé le regard, il était net sous lui. C'est ça que je veux dire. En nous regardant pour nous dans 1 Corinthiens chapitre 8, ça veut dire, Paul dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères, que nos pères ont tous été dans la nuit, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtre. Ne devenez point adultère. Le peuple s'assit pour manger ou boire, tout ça. Ok. C'est pas passage ça réellement que nous t'avons cherché. C'est pas passage ça réellement que nous t'avons cherché. Nous allons chercher passage que nous besoin. Mais la clé, c'est que nous connaissons. Question en CT. Est-ce que jour samedi, ça, ou bien 7e jour, nous devons prendre un jour physique pour nous capables de faire une adoration selon la chair, pour nous penser nous capables d'agréable à Dieu. Est-ce que y a un monde qui fait type de adoration ça, et qui mourit
pendant l'acte de l'adoration ça, est-ce que moun sa été dans la vérité? Est-ce que moun sa été dans le salut? Donc nous dit que non, moun sa pas dans le salut, li pas jam dans le salut, il pas jam dans le salut puisque il est mort dans le mensonge, dans l'adoration selon la chair. Parce que la Bible dit, ou doué en Christ, parce que c'est en Christ que tout bagay yon yé. Il a mis clair pour dire que Moïse c'était voile. Moïse c'était l'ombre. Mais Christ c'est l'esprit, c'est la réalité, c'est la vie. Et ça qu'elle dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et Seigneur Jésus-Christ lui dit ça. Donc, frères et sœurs, avant que nous terminions, il y a deux autres passages encore que nous parlons. Je prends seulement une minute et puis je retourne tout de suite après. Seulement une minute. Restez soulignant, restez branché, juste pour nous faire deux, trois gorgées d'eau et puis n'a pas avancé. Ok, nous continuer. Et nous prenons un passage qui c'est. Nous prenons un passage parce que il y a une sœur qui dit que apôtre Jacques te dit que la foi sans les œuvres est morte. Il dit la foi sans les œuvres, les morts. Donc c'est le marché du Père, selon compréhension, sœur là. Mais pas oublier que gagner les œuvres de la chair et les œuvres de la foi. Il y a la loi des œuvres, qui c'est la loi de Moïse, il y a la loi de la foi. On prend un passage dans Matthieu chapitre 23, verset 23, pour nous voir qui ça Seigneur Jésus-Christ a parlé. Avec un scribe et pharisien qui s'en dit, verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ah bon? La Bible parle nous que la dîme est dans la loi. Dîme de la menthe, dîme du cumin. Tout ça, même genre, les circoncisions, t'es dans la loi. Même genre, les sabbats, t'es dans la loi. Mais Seigneur Jésus-Christ, tout ça, nous, c'est au physique, au charnel. Seigneur Jésus dit, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Nous regardons, nous, dans la loi, qui est plus important. Dis-moi deux, trois exemples. Il dit la justice. Est-ce que nous sommes capables de manger justice? Non, nous ne pouvons pas toucher justice. Est-ce que nous avons ouais, justice? Non, nous ne pouvons pas avoir justice. Est-ce que la justice est physique? Non, elle est spirituelle. Ça, c'est caractère, mon Dieu. La justice, la fidélité, la miséricorde, c'est ce qu'il fallait pratiquer. Donc, nous devons comprendre que les œuvres de la foi, c'est la justice, la miséricorde, la fidélité et le partage, la charité. Donc ça, c'est les œuvres de la foi. Donc il y a un monde qui a la foi, ça, c'est des œuvres qui accompagnent automatiquement.
Jean Saul, qui côté vous sorti? Est-ce que c'est Moïse qui te joigne? Nous allons aller dans Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créé en Jésus-Christ, c'est-à-dire nouvelle naissance. Né de nouveau, né de d'eau et d'esprit. Né de l'esprit. Et a été créé en Jésus-Christ, créature nouvelle, pour de bonnes œuvres. Donc, lorsqu'on créature nouvelle, ou bien de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelles sont ces œuvres? En nous regardant, Jésus-Christ te dit, je saute dans la loi, mais la loi t'a montré Chanel là, mais la loi est spirituelle, mais l'ombre de la loi c'est Chanel là. C'est ça que Moïse t'a voilé, parce que Moïse c'était la chair, mais l'ombre est Chanel, mais la réalité de la loi est spirituelle. Mais Mounion était qu'on a pratiqué l'ombre, donc on l'a dit, la circoncision, les sabbats, Jésus-Christ dit les œuvres de l'esprit, que l'esprit des esprits te préparé d'avance, œuvre ça y est, c'est l'amour, la charité, la bénignité, c'est eux-mêmes nous devons pratiquer. Donc c'est ça, l'apôtre Jacques t'a parlé, les apôtres Jacques t'a parlé, qu'on doit pratiquer les œuvres. Ces œuvres, c'est pas découlé de nous-mêmes, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance, parce que nous créons en Jésus-Christ. Nous créons, nous nés de nouveau. Nous avons une nouvelle naissance, nous avons une naissance spirituelle, ce sont des œuvres spirituelles qui découlent du caractère du Créateur. C'est l'amour, la patience, le respect, mais ces œuvres-là, vous pratiquez, parce que vous avez la vie. La pratique de l'amour, c'est normal pour un chrétien, pour un croyant en Christ. La pratique de la fidélité, de la bénignité, c'est ça, Jésus-Christ dit, nous devons pratiquer. Mais c'est pas la pratique du sabbat septième jour. Ça, c'est œuvre, mais c'est œuvre de la chair. Amen. Amen. L'œuvre de la chair. Donc, le fait que moun yo, jou physique longtemps yo, yo pas comprendre ça, si ça yo fait, yo crucifié maintenant, c'est voulu, yo pas capable faire, mais yo fait, yo crucifié pour deux plus grandes raisons. Quelles sont les deux plus grandes raisons que le Seigneur Jésus-Christ mourit? Raison physique Chanel, selon moun sa yo, qui tu es lion, nous allons regarder pour nous qui ça la Bible dit. Nous allons regarder pour nous. Dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5. Moun t'a pratiqué ça, mais on a tout le Seigneur Jésus-Christ même bientôt. Il a dit, ah, mais le vin, il a fait samedi, ah, mais c'est juste samedi, il a venu là, mais hier, c'est samedi, nous, monsieur, tout là, il a passé. Hier, c'est samedi, nous, elle, bon, mais, ah, oui, bon, mais, elle, il était même bien, même. Ah, ah, je veux, tu sais, il a dit ça, septième jour. Depuis là, il a dit, moi, dans la religion, mais vous avez le septième jour à tout. C'est la plus grosse ignorance qui gagne. Là, comment que tout le monde qui vient, tout faux Christian Mini là, qui ça vient de dire, le premier bagage, il faut vous mettez dans la chair. Premier ça vous dit, tout jour samedi, où je ne comprends pas, il y a un qui est le grand prêtre, grand prêtre, on dit, oui, cap maille samedi, c'est jour pâle, il y a un autre corps qui dit l'éternel parallèle, c'est pour samedi, dame qui est le grand prêtre là, ça abominable net. Grand prêtre lié. Et la Bible du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce, ça veut dire son grand prêtre, qui n'est pas transmissible. Bon, ça, lui-même, il va être le grand prêtre. Bon. Et il veut monde si vous voulez. Ça, on va le monde à lui venir. Dans Jean chapitre 5. Apôtre Jean t'a parlé. Donc, on a apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, apôtre qui était couché, qui était sous poitrine net là. Le repas du Seigneur là. C'est qui était sous poitrine net là. Et il considérait lui comme le disciple que Jésus aimait tant. Mais apôtre,
l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 5. Qui ça le dit? Verset 18, verset 17. On a commencé depuis dans verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. On guérison était faite le jour du sabbat. C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il y a des gens qui disent deux personnes. En parlant de ça, entre parenthèses, le Jésus-Christ dit, mon Père agit, le Père c'est l'Esprit, moi aussi j'agis, c'est la chair. Donc, si l'Esprit n'a pas commandé chair à vous, il n'y a pas de faire, même j'ai avec nous-mêmes tout. Nous avons l'Esprit, nous avons chair. Si vous avez levé, vous campez, vous connaissez l'Esprit commandé. Joue l'Esprit à haut repos, nous pouvons comme nous devons lever, bram, tomber, bip. Nous devons lever, bim, tomber, bip. Mais l'Esprit en éveil, il commande, bram, fais ça. Allez là, allez prépare, allez bosser, allez, c'est l'Esprit qui commande et comme agir. C'est ça que Jésus-Christ te dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc si l'Esprit va agir dans lui, croire à la fontaine mouvement. Amen. Parce qu'il est l'image de l'Esprit. Amen. Jésus-Christ dit, mon Père agit, jusqu'à présent moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Mais ils ont, oui. À cause de cela, Juifs ont dit, papa, ça c'est clair, Juifs ont compte ça. Non seulement, j'en dis, non seulement, mais pour qui raison? Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Je pas dit parce que Juif a dit violer le sabbat, non. J'en dis parce qu'il violait le sabbat. Je constatais que Jésus-Christ lui violait le sabbat physique. Amen. Parce que le sabbat n'est pas physique, il est spirituel. Parce qu'il est le sabbat. Donc il joue physique là, un gros bénéfice. Amen. Donc là, le passé, il viole le sabbat physique là, parce qu'il est, il a tout, tout est en lui. Et nous avons tout pleinement en lui. Joue physique là, un gros bénéfice lui-même. Donc il est le sabbat. Il est le repos éternel. Joue physique là, un gros bénéfice. Donc joue physique là, il viole. Pour quelle raison? Parce que joue ça dans lui. Non seulement, j'en dis parce qu'il violait le sabbat. J'en vois ça. Il violait le jour physique. Et parce qu'il dit que, appela Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pour être ça, je suis tué. Il n'y a pas connu que le jour physique là dans lui. Parce que c'est lui le sabbat. Parce que c'est lui la réalité. Le sabbat physique, c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est lui. C'est lui la réalité. C'est lui le sabbat. Parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est une deuxième raison. Oui, il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu lui-même. Parce que cette chair, corporellement, dans ce corps, c'était Dieu même qui te la donne. Pas de rien que le corps a fait. Pas bon mouvement que le corps a fait, c'est pas l'esprit qui a été commandé pour faire. L'esprit qui a été commandé pour faire, c'est Dieu. Mais plus que nous-mêmes, comme vrais adorateurs, nous adorons en esprit et en vérité, nous pas adorer la chair, nous adorer l'esprit qui était dans ce corps. Et ce corps n'est autre que son esprit. Il n'y a pas de corps sans son esprit, sans l'esprit. Donc c'est ça que fait l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Si nous te connaissons Christ selon la chair, en tant que un corps, pendant l'esprit à la donne, qu'on y a nous pas connaître comme ça encore. Parce que nous avons une révélation spirituelle, donc nous connaissons en tant qu'esprit. Donc nous connaissons en tant que Père qui t'a agi dans son image. Amen. Donc, le corps n'a pas de vie sans l'esprit. Donc, la vie qui est encore ça, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de
pas de comparaison. C'est ça que fait, il a toujours dit, moi et mon père, c'est-à-dire le corps et l'esprit est un. Toute action qu'on a faite, c'est l'esprit qui a commandé. Même chez nous-mêmes, mauvaise action qu'on a fait à son esprit qui a commandé nous qui fait. L'esprit dans nous, qui a commandé nous faire. Mais son seul nous y avait. Parce que quand on a le coucher, le repos, il n'y a pas de ville, pas de rien là-dedans. Le lever, le tomber, le carré était là, il n'y a pas de faire rien, pas de bouger, pas de faire rien. Mais c'est l'esprit qui agit, qui fait lui-même la magie. Et ça que le Seigneur Jésus dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. L'esprit agit, le corps aussi agit, l'image aussi agit. Amen. Donc, l'image là, c'est mon esprit. Et c'est la plénitude de la divinité qui était dans cette image. Et donc, nous sommes capables de remarquer Jésus-Christ, deux plus grandes raisons. Encore. Il y en a deux autres raisons encore qui ont été cherchées pour être tuées. C'est parce qu'elle t'a violé le sabbat physique, là, il n'y a pas de comprendre que le jour, ça a été dans le lit. Donc, puisque le lit, il passait sous le lit. Amen. Tant qu'on créerait. Puisque le lit, il passait sous le lit. Il fassait. On a fait le lit pour venir jouer. C'est le sabbat, là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du sabbat. Parce qu'il est le septième jour. Amen. Frères et sœurs, bon Dieu avec nous. Que nom Christ soit toujours glorifié, exalté, élevé. Amen. Frère David. Merci Frère Ricardo et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Apprends tes vies, dis